Guillaume Durand revient de loin. En 2021, les médecins lui ont découvert un cancer de la mâchoire. Alors qu'il se remettait à peine de la mort de son père survenue seulement quelques mois plus tôt, il a dû se lancer dans une lutte sans merci pour parvenir à vaincre la maladie. Dans les colonnes du journal du dimanche, le 6 novembre 2022, il a expliqué comment le cancer l'avait terriblement affaibli pendant une année entière. Il a assuré avoir lutté comme une demi-momie, allongé sur son grand canapé roux. Mais la force de sa famille lui a permis de s'en sortir après avoir subi une lourde opération le 25 juin 2021. Dans les colonnes du Parisien, en janvier 2022, il avait expliqué comment il avait découvert qu'il souffrait d'un cancer. Tout a commencé alors qu'il avait ressenti une douleur aux dents au printemps 2021, qui le pousse à consulter un stomatologue. Ce dernier lui avait conseillé de consulter un spécialiste des mandibules qui découvre une dent de sagesse infectée. Après l'ablation de sa molaire, la biopsie révélera qu'il est atteint d'une tumeur cancéreuse. Son opération de la mâchoire aura duré pas moins de 10 heures et était très délicate. Pour cause, un morceau de péroné est prélevé dans sa jambe droite pour remplacer un morceau de sa mâchoire. Ce n'est pas tout à fait naturel de manger avec un bout de sa jambe, avait alors ironisé Guillaume Durand. À l'hôpital, Jai subit une chirurgie dentesque avec le même médecin qui a opéré l'ex-pilote de Formule 1 Philippe Alliot et le journaliste de Charlie Hebdo et romancier Philippe Lançon. On m'a pris la peau de la jambe et on me l'a mise dans la mâchoire. Il y a un petit côté Bertrand Lavier, d'où mon goût pour l'art contemporain, avait-il encore déclaré en rigolant en évoquant l'artiste français dans les colonnes du Point. Guillaume Durand était très fatigué et a perdu beaucoup de poids à cause de son cancer. Les mois qui ont suivi son opération ont également été très compliqués pour Guillaume Durand. Il a dû prendre beaucoup de médicaments, faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Il a ressenti une grande fatigue et a perdu beaucoup de poids, pas moins de 12 kilos et même sa voix a changé. Alors qu'il se sentait très faible, il a de plus contracté la Covid-19. Heureusement pour lui, il n'a pas souffert d'une forme grave. Avec du recul, il est persuadé que si son opération avait dû être déprogrammée, il n'aurait sans doute pas survécu. Aujourd'hui, le journaliste âgé de 70 ans semble aller très bien. Durant l'été 2022, il a tout de même eu très peur de la rechute. Cet été, Jai sentit, ah, ça bouge. Jai refait 10 jours d'antibiotiques à haute. Il faut vraiment avoir un moral à toute épreuve. Le titre du dernier James Bond est devenu mon slogan. Mourir peut attendre, avait-il encore confié dans le Point.